Vous avez vous-même constaté de qui il s'agit. Vous savez, Fafa, on n'a pas besoin de ça. Dit que nous, on va chez tout le monde. On va chez tout le monde. On va chez tout le monde. C'est parce que cette émission, elle est ouverte à tous. Parce que moi, je suis le papato supérieur. Donc, je dois savoir tout ce qu'il faut savoir. Voilà. Et mon invité ne peut pas fuir les questions. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Ah, mesdames et messieurs, je suis avec le monsieur. Excel, voilà ma mère. Le Bengis. Excel Bengis. Il vient maintenant. En tout cas, merci de recevoir l'émission Fafa, le Daire et son équipe. Merci de recevoir aussi Ivoire TV Musique. Alors, Excel, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Je remercie Ivoire Musique TV pour l'opportunité qu'il nous donne de, de pouvoir partager, de pouvoir parler. Voilà, tranquille. D'accord. Tranquille. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, c'est un plaisir pour moi de passer ici. Voilà, et aujourd'hui, on va te poser des questions. Comme tu connais l'émission, tu sais, le truc. Voilà. Donc, il faut qu'on sache les choses qu'il y a à savoir. C'est important. Voilà, c'est très, 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 très important. Alors, Excel, dis-moi, moi, je voudrais savoir, pourquoi est-ce que tu as dit, au lieu, avec la voix que tu as, avec le talent aussi que tu as et tout, pourquoi est-ce que tu as choisi d'être chanteur, de chanter pour l'éternel, que de faire la musique du monde, comme on le dit? Pourquoi est-ce que c'est ce que tu as choisi? Ok, c'est une très belle question. Effectivement, pour avoir fait quand même l'école de musique, l'INSAC, d'accord. J'étais censé sortir, être un artiste normal, ordinaire, comme on dit. Et j'ai choisi de converger ma musique vers la chose spirituelle. Moi, j'aime pas trop quand on m'appelle chante chrétien. Pourquoi j'aime pas trop? Je préfère qu'on dise artiste gospel, parce que nous sommes des artistes de formation. On devrait faire, voilà. Mais on a choisi de faire du gospel, qui est une musique à caractère spirituel. D'accord. Qui, contrairement à d'autres musiques qui prônent le sexe et quoi que ce soit, nous donnons des conseils. Donc voilà. Donc je me rappelle encore quand j'ai sorti mon premier album, j'avais été approché par un grand producteur. Nous sommes à la télé, on pas mentir. J'étais à son nom, mais je pense qu'il a même, c'est quelqu'un qui est très connu ici. Voilà. Qui a même un de ses poulets, même qui fait un concert très bientôt ici à Abidjan. Qui m'avait dit, ah, mais tu aimes bien ce que tu fais et tout. Mais l'histoire de Dieu en Europe, non, sans nom, franchement, c'est pas notre truc. Donc il fallait réfléchir, mais j'ai accepté de chanter du gospel. Et voilà, j'aime bien ce que je fais. J'ai un gospel normal, un gospel ouvert. Je suis pas limité. D'accord. C'est un choix, en fait. D'accord. Alors, voilà qui est bien dit. Et dis-moi, pour les personnes qui ne te connaissent pas, moi, j'ai dit toujours que Fafa, c'est la seule émission où on n'est pas à la mairie. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas savoir tu t'appelles comment, quand tu es né, comment on t'appelait. Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais est-ce que tu peux au moins, pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas, tu vois, est-ce que tu peux parler un peu de toi? Qui c'est, qui Excel en réalité? C'est qui Excel? C'est Ivouman Kan Jean-Yves. Voilà, je suis d'une famille de 9 enfants, dont je suis le 5e. D'accord. Le dernier de ma mère, le 5e de mon père, puisque ma mère et mon père sont séparés. Et voilà, Excel est un jeune homme qui a fait l'école normalement, après entrer à l'école de musique et a poursuivi un cursus scolaire mais musical. Voilà, et après a décidé de faire la musique gospel. Donc voilà, je suis Excel que les gens connaissent, que les gens ne connaissent pas. Voilà. Voilà, je fais ma musique tranquillement et aussi voilà, j'ai une vie de famille tranquille, sans problème. Voilà. D'accord. Mais quand tu as commencé à faire la musique gospel, voilà, qu'est-ce que ta famille en a pensé? Oui, c'est vrai que lorsque j'ai commencé la musique, les parents n'étaient pas trop d'accord, puisqu'il fallait arrêter les études pour avancer dans la musique. Donc il fallait aller faire après la troisième, aller faire l'école, le Léa, qui est le lycée d'enseignement artistique, il se donne H2, première, je termine H2, et après le bac, faire le lycée, l'ENM, qui est l'école nationale de musique. Donc d'abord, il n'était pas très content. J'avais été sujet de beaucoup de rejets, même dans la chanson Il y a mon histoire d'amour, j'explique un peu pour ça que j'ai écouté. Et c'est vrai qu'après, c'est mon premier concert en 2007, là je te parle de 2002-2003, donc en 2007,
lorsque j'ai fait mon premier concert live, vous parlez des congrès de Télévoix, qui n'était pas quand même donné à n'importe qui, qui était organisé par une fondation entière, ce qu'on appelle la fondation Bertha. Et ce jour-là, j'avais pour parrain Jacob Devarieux de Lucas. Donc c'est là que voilà, mon père. Il a compris en fait. Compris. Quand il était assis, où il y avait le ministre en ce temps-là de la culture qui était Mel et Théodore, son excellence, et vraiment il a vu un peu les personnalités, il a dit ah vraiment, mon fils est devenu une grande personne. Et je pense que c'est là que la reconnexion est arrivée. C'était vraiment la c'était déconnecté. Et ça, c'était une partie un peu triste de ma vie aussi, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Ça forge. Oui, j'étais vraiment. Mais les parents, moi, je ne vous comprends pas quoi. Non, vous me faites quelque chose, vous bavardez dans ça. Non, il est né, la façon il le voit. La façon il le voit là. Il essaie de lui les pères devenir docteur. Est-ce que l'enfant t'a dit lui veut soigner les gens? Arrêtez. Mais là, il mousse, mais là, les ministres sont là. Le père, tu es enjaillé. Papa, respect, mais bon, c'est un petit attachement. C'est un petit attachement, mais bon. Papa, qu'on salue au passage. En tout cas, merci d'avoir laissé Excel faire ce qu'il avait envie de faire aujourd'hui. Voilà, il a grossi, ça va. Non, même pas. Non, ça va, Dieu merci, Dieu merci, tout se passe bien. Le rapport, ça se passe bien. D'accord, d'accord. Alors, Excel, dis-moi, j'ai une autre question pour toi. Voilà, ça dit que la chanson, là, la première chanson que moi j'ai connue, voilà, au paradis, est-ce qu'on se verra au paradis? Bon, ouais, j'ai pas compris un truc. C'est que tu chantes dans le morceau comme si toi tu es sûr que tu vas aller au paradis. Non, c'est pas vrai. Mais tu dis au gars, mais est-ce qu'on se verra? Est-ce que tu es sûr que toi et moi on va se voir au paradis? Et toi pour toi, il y a clair, mais est-ce qu'il vit bien? Non, mais c'est ça. Moi, c'est que dans la chanson, toi, je vous plaît, j'ai dit, est-ce qu'on se verra au Excel? Donc, je me pose la question. En fait, dans la chanson, je me posais une question, en fait. Parce que les gens racontent. En fait, j'étais très jeune. Donc, les gens racontent plein de trucs. On dit non, est-ce que Jésus les prophètes, les soucis dans moi? Je tente de me dire, avec ce que je ressens au fond de moi, j'ai servi Dieu. Est-ce que c'est la bonne part que je choisis? Est-ce que je suis en train de me tromper? Étant jeune, pendant que les gens s'adonnent, bon, on veut bien aller à boire, aller s'amuser, mais pourquoi moi, jeune homme, je vais laisser tout ça pour me consacrer? Donc, et puis bon, je recevais des paroles à l'église, on disait non, tu es un serviteur. Il dit, mais attends, moi je suis dans un petit endroit, un matin, on disait, moi, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Donc, j'étais un peu à la fleur de l'âge, je devais commencer à vivre quand j'ai arrêté. Donc, du coup, j'ai demandé, mais c'est ça, j'ai écrit la chanson en disant, mais Seigneur, est-ce qu'on se verra au paradis? Parce qu'en fait, tu entends nous dire, on a qu'à laisser tout ça là, mais c'est qu'on va aller vraiment dans ce paradis là. Ah, c'est vrai. C'est nickel. C'est vrai. Oui, parce que, tu sais, moi, je dis toujours que je suis un artiste gospel engagé. Moi, je ne chante pas pour faire plaisir au pasteur ou pour plaisir aux gens. Dans mes écrits, je pose toujours des questions à Dieu. C'est un vécu. Je ne chante pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc, je dis, Seigneur, est-ce que tu es sûr que ton affaire, là, va venir sur, va vraiment se voir? Tu dis au paradis, on va bien vivre, on va manger, on sera content. Ah, tu dis, on a qu'à arrêter de courir derrière ce qu'on court. On se prive des choses. On se met à genoux, on prie, on fait les trucs. Mais est-ce que. Voilà, c'est tout à fait là. Il ne faut pas le dernier jour, quand il va venir, tu as dit, le dernier. À gauche ici, pas à gauche. Mais le père, il a tout laissé. Arrêtez. Hein? Ouais, donc. Franchement, c'est ça. Tu es là, tu as signé la chanson. C'était un peu son paradis. Tu as eu, par exemple, un succès quand même. Oui, non. Et franchement, tout le monde a aimé ça. Tout le monde l'a aimé. En tout cas, moi, personnellement, j'ai aimé cette chanson. Tout le monde l'a aimé. Super, super. Mais depuis lors, bon, dans tes chansons, on n'entend pas trop Jésus. Bon, on ne sait pas. Hein? On n'entend pas trop Jésus dans tes chansons. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Non, il n'y a rien. Sauf que moi, en fait, j'ai une autre stratégie, en fait. C'est bien qu'on en parle, parce que les gens écrivent beaucoup pour dire, non, il n'y a pas Jésus, mais tu as changé. Mais je veux dire, on a tellement parlé de ce monsieur-là qu'à un moment donné, les gens commencent à se lasser, en fait. Je veux dire, ayons deux stratégies pour atteindre notre objectif. Moi, j'ai décidé d'atteindre les jeunes. Parce que j'ai juste sorti de quelque part, je suis là. Je ne dis pas que ça va forcément bien, mais je pense que le fait d'avoir été consacré, pas consacré, mais le fait d'avoir donné, je ne dirais pas ma vie à Jésus, mais je dis d'avoir, comment je vais dire ça? Tu as donné ta vie à Jésus ou pas? Non, si, non, je dis, on dit ça tellement maintenant, c'est fatigant. J'ai donné ma vie à Jésus, du coup, bon, donne ta vie. Je dis, c'est quelque chose qui est normal. Quand tu es chrétien, tu as forcément donné ta vie à Jésus. Donc, je vais en parler en fait, d'accord. Ceux qui disent, donner la vie à Jésus, on voit un peu comment il vit après. Donc, moi, je n'ai pas besoin de le dire. Je sais une chose, c'est que ma vie est entre les mains de Dieu. Et j'ai décidé
d'avoir d'autres stratégies d'attaque. Par exemple, dans une chanson comme « Il changera ta vie », je dis, une chanson que je dis « Tu es orphelin, abandonné dans le besoin, viens à Jéhovah parce qu'il change ta vie. » C'est celui, lorsque tu te confies en lui, il ne descend pas pour dire que ta vie change, ta vie change. Non, mais il te met sur le chemin, c'est ça. Pense. Il met aussi les bonnes personnes aussi. Ouais. Et ça, je suis un témoignage palpable de cela. Après ça, il y a eu, il y a quoi encore? Il y a Seigneur des Saints qui est sorti d'éléments, qui a tué un fichier aussi fou dans le milieu gospel, qui parle un peu de tout cela, qui s'amuse avec les choses de Dieu, tout cela qui se moque des chrétiens, et des chrétiens aussi qui se moquent de Dieu aussi. C'est là que je parle. Mais il fait telle et mauvaise langue. Si nous savons un peu comment ça se passe. Oui, bien sûr. Donc c'est une manière vraiment de rappeler aux gens qu'en fait ce dans quoi nous sommes est un peu spirituel. J'ai l'impression qu'on s'amuse un peu avec. Donc arrêtons de nous amuser avec, parce que effectivement on parle quand même de Dieu réellement. D'accord. Je viens de me tendre la perche parce que je voulais te demander un truc bien avant, mais comme tu as parlé là, je vais poser la question en même temps. Voilà, tu disais qu'il y a des chrétiens qui se moquent de Dieu. Voilà, qui moi je dirais qu'ils utilisent le nom de Dieu, le nom de Jésus pour faire du commerce. Voilà, aujourd'hui on voit, moi c'est le daïré, il n'y a pas peur de quelqu'un. Tu vois, on voit aujourd'hui des pasteurs qui sont devenus des commerçants. C'est-à-dire qu'ils sont dans leurs églises, les gens viennent dans leurs églises, les gens prient tous les jours, la vie des gens ne change pas. Mais eux là, ils ont des ventes maintenant qui sont proéminentes, c'est eux qui se jouent les chocos, c'est eux qui ont les grosses voitures, c'est-à-dire que les gens ne vivent pas, c'est vrai. On peut se mettre bien, on peut se mettre à l'aise, mais ils utilisent mal en fait le nom de Dieu. Et ça, même ceux qui ne vont pas à l'église ont remarqué. Et pour ça, il y a des gens même qui n'ont même plus envie d'aller à l'église. Parce qu'ils trouvent que bon, c'est parfait. Quoi. Dans la chanson, c'est indécent, il y a une partie je dis, c'est vrai que par notre mauvais témoignage, on ne donne pas le choix aux gens de ne même pas suivre Dieu. Ça veut dire, je reconnais quelque part qu'effectivement, sur ce côté-là, les chrétiens se sont un peu déroutés. Et moi, je suis un peu radical sur ça, pas parce que je me dis que je suis parfait, j'ai mes défauts, je sais que j'ai des faiblesses, j'ai plein de trucs, mais je pense qu'il ne faut pas s'amuser avec les choses de Dieu. Donc, quand on voit ces hommes de Dieu dont je t'ai le nom, dont on le connaît, on n'a pas besoin de les parler, on le connaît. Je n'ai pas peur d'eux, parce que même s'ils ne m'invitent pas dans l'église, je m'en fous, j'ai perdu moi aussi. Mais je dis, quand on regarde aujourd'hui, la vie chrétienne a changé, les chrétiens ont changé, il n'y a plus vraiment de réelle vie chrétienne. Et moi, je dis encore, pour ceux qui me suivent sur ma page, je dis, on voit dans les églises où, quand un pasteur a des soucis, l'église cotise pour le pasteur. Aujourd'hui, encore à la télé, je vois un homme de Dieu qui disait, oui, il faut s'aimer pour l'homme de Dieu, tu apportes son onction, tu vois. Je lui dis, mais référons-nous à la Bible que nous chantons. La Bible dit quoi? Quand tu es serviteur de Dieu, par exemple, on me dit, serviteur de Dieu, c'est devenu comme une marque. Je suis serviteur. Être serviteur de Dieu, ça veut dire que tu es un boy. C'est ça le serviteur. Donc le serviteur, il doit servir Dieu. Donc servir les autres. Voilà. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est les autres qui servent le pasteur. Oui, c'est vrai. Moi, je compte ça par contre. Moi, je pense qu'un pasteur, et je vais même plus loin, un homme de Dieu, ça n'engage que moi, ça peut les choquer, ça, franchement, je m'en fous éperdument. Je pense qu'un pasteur, qui dit qu'il est pasteur, donc qui sert Dieu, qui roule dans une voiture de 60 à 70 à 80 millions, chez moi, quand tu roules dans une voiture de 80 millions, ça veut dire que dans ton église, tout le monde paye sa facture, son loyer. Parce que chez moi, c'est ça le service de Dieu. Là, il dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, Élie, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu es capable de t'acheter une voiture de 50 millions, ça veut dire que quand tu peux acheter une voiture de 50 millions aussi, rien n'était fidèle. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que on s'est un peu détourné quand même. Ça n'engage vraiment que moi. C'est pour ça que je suis dans mon petit coin. D'accord. Voilà, les pasteurs, s'ils m'invitent pas, évidemment, franchement, j'ai pas besoin de. Non, mais selon toi, pourquoi les gars, ils t'invitent? Eh bien, pourquoi autant pour moi? Excusez-moi, mesdames et messieurs. Allez-y. Pourquoi est-ce qu'on ne t'invite pas dans les églises? Quand tu chantes bien, les gens ont peur de m'inviter, à vrai dire. Parce que, il faut connaître que dans le milieu gospel aujourd'hui, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je dis, la qualité pour le Seigneur est ma priorité. D'accord. Tout ce qu'on fait, on ne fait pas la musique pour plaire. Genre, c'est le matin, boum, 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 et puis on marche. Non, moi, je fais une musique d'écoute, une musique qui doit transformer les gens. Aujourd'hui, je le dis clairement, quand tu vas sur ma page Facebook, je suis l'artiste chante le plus suivi sa page que n'importe qui. Ouais, en tout cas, moi, j'ai constaté donc, ça. Donc, je et puis, tu as des statuts qui parlent. Ouais. Quand je mets un statut, c'est 30 000 likes, donc c'est des milliers de personnes qui voient. Donc, je n'ai pas besoin forcément. Donc, je sais, et puis, par la grâce de Dieu, je suis beaucoup invité à l'extérieur comme ici. Ceux qui m'invitent, c'est les gens qui ont une certaine classe. Je n'ai pas forcément dit que je ne chante pas. Pour ceux qui me connaissent, je chante, je peux chanter après ma côté, je chante partout. Je n'ai pas d'état d'âme en matière de chanson. Mais les gens ont peur parce qu'ils voient quand même un certain charisme. Et puis, on fait les choses de Dieu proprement.
quand tu veux faire un concert, c'est propre. Quand tu veux faire un programme, c'est propre. C'est pas qu'on veut prendre forcément de l'argent. Là, j'ai sorti un single. Les gens étaient surpris de voir à la télé. Single gratuit. Si tu veux le single, envoie Excel à temps, tu reçois gratuitement. C'était innovateur. Les gens n'ont jamais vu ça. Ouais. Mais on le fait parce que ce que nous avons, j'ai un témoignage à rendre. Moi, je suis pas là pour avoir de l'argent. C'est pas que j'en ai. Si Dieu m'en donne, Dieu merci. Mais le peu que j'ai me suffit pour avancer dans ce que je fais. Si Dieu sait que j'ai une vision, il me donnera la provision. Mais je n'ai pas besoin de m'enrichir sur le dos des églises et des pasteurs. Et aujourd'hui, j'en ai marre. Parce que quand un homme va à l'église et qu'il est habillé de façon sale, même s'il n'a pas de parfum, on fait le mettre derrière. Oui. Et ceux qui ont de l'argent. Voilà, ça, on met devant. C'est pas normal. Et c'est ce que j'ai vécu. Donc, moi, j'ai un souci. Ah, c'est ce que tu as vécu? Non, non, non. On a tous vécu ça. Ouais, c'est aujourd'hui, il faut forcément un bling-bling pour qu'on dise que oui, lui, il est blessé. Je suis désolé. Aujourd'hui, on complexe des gens. Il y a des gens qui ne veulent même pas à l'église parce qu'ils sont complexés. C'est vrai. Parce qu'on a l'impression que quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas venir à l'église. Mais quand on est à l'église, la première chose, on cherche à t'aider, à te guérir. On cherche plutôt à comment tu as fait une dîme, comment tu as fait une offrande. Donc, déjà tout ça, je pense que on doit effectivement bénir les hommes de Dieu. On doit effectivement participer financièrement aux choses de Dieu, mais je ne veux pas que ce soit la priorité. Et encore, pour terminer, je suis contre les gens, les pasteurs, les hommes de Dieu, les chantent même, et partout ceux, les chrétiens qui ont de l'argent et qui l'exposent. Je pense que Dieu veut nous bénir, c'est vrai. Mais on n'a pas besoin de l'exposer. Parce que même Jésus, même qui est venu sur la terre, était très humble. Donc, je pense qu'il y a un problème aujourd'hui d'humilité. Il y a un problème de concurrence. Au lieu, quand tu veux faire un concert, quand tu fais un programme, les hommes, quand tu dis, il faut choisir. En fait, tout est devenu. On se comporte. C'est du commerce maintenant. C'est du commerçant. En tout cas, c'est mieux même de faire du coupé de galère en même temps. Parce que je pense que quand tu veux faire la musique gospel, chrétienne, quand tu es pasteur, quand tu es. Il y a une certaine décence qu'il faut avoir en fait. Donc aujourd'hui, c'est un mélange, c'est les concurrences. Donc moi, je ne me mets pas. En tout cas, tout ça, on va parler de ça. À propos de la. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple concernant la dîme en fait. Voilà. Moi, personnellement, ce que moi je sais, c'est que dans le temps, ceux qui vivaient de la dîme et de l'aumône et tout ça, c'était les Lévites. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que eux, ils étaient entièrement consacrés. Ils ne travaillent pas. Leur travail là, c'est fait le travail de Dieu. Donc c'est à eux que cette dîme là était consacrée. C'est-à-dire que quand on dit ouais, tu donnes ton dixième à Dieu, c'est eux qui récupèrent. Et c'est Dieu ne peut pas descendre pour payer les bouffes d'eau pour manger avec. Donc c'est eux qui gèrent ça. Mais aujourd'hui là, on a l'impression que le pasteur là, ça dit que quand il prêche, c'est comme si tu es obligé même de donner la dîme. Voilà. Hein, est-ce que maintenant il y a des paniers, on donne plus les petits seaux, les petits sacs, maintenant c'est les paniers avec gros trous dedans, les filets. Tu donnes 100 francs, là, ça tombe. C'est pas normal. Il donne des offrandes généreuses. Hein, donc, selon toi, comment est-ce que toi tu vois ça aussi? Belle question, les dingueries, tu es vraiment les dingueries. Oui, ça chauffe pas. Moi, personnellement, je n'ai pas forcément réfléchi à cause de ce sujet. Mais une chose est sûre, c'est que moi je suis dans une église à Paris, mon pasteur Nyongu, que je salue au passage. Voilà un pasteur qui, quand je faisais mon dernier concert le 24 décembre passé, pas d'habitude, a payé son billet d'avion et est venu soutenir son fils. J'ai pas payé son billet d'avion, je ne l'ai pas logé, il est venu de lui-même. Ouais. Bon, j'ai vu rarement ça ici en Côte d'Ivoire, en Afrique. Donc je dis, voilà un pasteur qui, moi, je peux payer une dîme. Je sais que mon argent a servi effectivement à l'œuvre de Dieu. Mais moi, je suis dans une église où on me demande de payer une dîme. Je sais que la dîme, c'est pourquoi le pasteur s'achète une chaussure de 300, 400, 500 000. Moi, franchement, ça m'intéresse pas de payer cette dîme. D'autres vont dire non, faut payer, laisse Dieu. Je suis désolé. Je pense que Dieu nous a envoyé sur la terre pour réfléchir aussi. Bien, vraiment. L'avion qu'on prend en l'air, c'est pas Dieu qui est venu monter. C'est les hommes qui ont réfléchi. Donc, Dieu nous donne l'intelligence. Donc, moi, je suis pas bête. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on prend les chrétiens comme des gens qui sont bêtes. Et quand tu vois les pasteurs qui font des bêtises, qui piétinent les mains, en fait, quand on voit sur le net, on est choqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu même envie de laisser cette affaire de chante là. Enfin, je me suis dit, mais attends. Oui, moi j'ai appris les docs. Ouais, mais non, ça veut dire que je vais demander après. Je me suis dit, aujourd'hui, on perd le temps en fait. Parce qu'on ne nous aide pas. Quand on chante à un concert, aucun soutien. Les pasteurs, quand tu vas gérer du même 5 francs, je ne donne pas. Ça ne les intéresse pas. Ils ont de l'argent. On a souffert même des pasteurs mais qui nous regardent du même de loin. Donc je lui dis, à quoi ça sert d'être jeune, de se battre pour des hommes de Dieu, de se battre pour l'œuvre. Puis demain, quand Dieu bénit, nous, on regarde comme ça. Moi, j'ai des frères aujourd'hui qui n'arrivent pas à payer leur loyer, mais ils sont dans l'église, les pasteurs sont milliardaires. Je pense que là, il y a un problème. Ouais, ça, je ne critique pas les pasteurs, excusez-moi, mais ça n'engage que moi. Je pense aussi qu'il faut arrêter, les gars. Je suis peut-être jeune, je suis pas peut-être digne. Hein? Mais je sais une chose, aujourd'hui notre attitude fait que les gens n'ont plus envie de servir Dieu, de suivre Dieu. Ça faut reconnaître. Faut le dire. Si on doit changer, on change. Voilà. Et si on ne va pas changer, ben, chacun reste dans sa gamme. Donc moi je suis dans ma gamme. Je fais ma musique, j'ai ma petite famille, je vis ma petite vie.
on voit Excel ici, Excel là. Ouais. J'ai pas de secret, mon secret c'est que je travaille. Je suis un bon rythme et Dieu travaille aussi avec moi. Donc moi j'ai pas de souci avec tout ça. Voilà. Mais je suis contre les hommes de Dieu qui grugent les gens. Parce que les gens souffrent, les hommes, les chrétiens souffrent. Les chrétiens qui sont malades, on a vu malades, aller les soigner. On y vient génie. Le gars est génie qu'il meurt, on a vu ça. Après on dit c'est Dieu qui l'a pris. Donc on a tout vu ça dans les chrétiens. Donc moi. Arrêtons de nous foutre un peu de Dieu. Voilà. Mais est-ce que c'est pas le fait que tu sois aussi radical? Parce que moi là, toi et moi, on n'a jamais discuté comme ça en tant que tel. Mais là, je constate que tu as une gamme. C'est-à-dire que tu es quelqu'un de caractériel en fait. Mais justement, voilà. On te traite de gonfle. On dit que Sel, il est gonflé, il vient à Abidjan, il n'appelle même pas ses collègues qui chantent dans le gospel. Voilà, il ne veut pas voir les aînés, tout ça, il est dans son coin, comme il vit en France, mais il n'est pas qu'il a réussi. Bon, on c'est vrai aussi. Non, mais les gens disent ça, effectivement. Les gens disent ça, c'est bien que si tu dis ça, les gens disent ça, je veux en parler. Les gens me connaissent. Je veux dire, dans le milieu chrétien, je suis le chant qui fait un conseil, tout le monde est là. J'invite tout le monde. Mais aujourd'hui, quand on fait des concerts, maintenant le côté gonflé, non, ne confondez pas quelqu'un qui est professionnel dans ce qu'il fait, quelqu'un qui est gonflé. Quand j'ai fait, on m'a invité au concert de Corneille, je suis allé chanter, je me rappelle, où j'ai fait des trucs où on m'a invité avec, il y avait des DJ. Moi, je connais plein de DJ de Bordeaux qui devaient en avoir ensemble, on est parti au Maroc, à Fès. Je dis, j'ai pas de problème avec. Moi, j'aime la musique. J'aime mix que je salue au passage, tu m'as vu la dernière fois, je viens de l'aéroport qui s'est arrêté. J'étais avec mon staff, Excel, il avait ma chanson dans son téléphone. Moi aussi, j'aime bien mal à la tête. Donc, je dis, j'ai pas de problème, je suis ouvert. Parce que je pense. Que tu es un artiste. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Temps, en fait. Je ne mens pas. En fait. Je suis sérieux. Je pense que on est des artistes, mais on n'est pas. On a l'impression que quand on dit on est chrétien, c'est permis. C'est fermé, on est fermé dans 4 minutes. Attends, on dit on doit gagner les âmes à l'extérieur. Mais si on est fermé, on gagne quelle âme? Tu vois, bah Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il est venu pour les malades. Par tout le monde. Ah, les derniers, je connais un peu la Bible, la musique, pas moi. Oui. Je pense qu'on doit aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, moi, j'ai une musique qui est ouverte. Aujourd'hui, quand je vais sur ma page, il y a des musulmans, des chrétiens, des gens qui ne connaissent pas forcément, mais qui aiment ce que je fais, parce qu'ils se sentent dans ce que je fais. J'ai un témoignage de ma vie. Donc je ne blâme pas les gens. Non, si tu bois, tu vas en enfer. Moi, il m'arrive souvent de prendre des petits ponches tranquilles. Je le dis à la télé, mais j'ai pas de problème. Mais je vais me dire, et puis demain, on les voit dans les bois. Oui, bien sûr. Donc je pense que. Mais ils parlent comme ça, et puis après, on les voit frapper les femmes, mettre les femmes dehors. On les connaît. On les connaît dans ce pays. On est jeunes. On est des hommes, on ne doit pas vivre comme les hommes du monde, c'est clair. Moi, je pense que le plus important, c'est comment tu respectes et comment tu aimes l'homme. Après, on peut te juger par l'apparence parce qu'on ne te connaît pas, mais il faut qu'on arrête un moment. Franchement, pour qu'on arrête, sinon. Voilà. C'est pas ça. Voilà qui est bien dit, mesdames et messieurs. Toujours l'émission Fafa avec l'artiste Excel. Fafa, nous, on vient chez tout le monde, nous, on ne trie pas. Même s'il y a une vendeuse de beaux photos qui s'est plaint que le prix de la farine, de la levure a augmenté, on est chez elle en même temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est l'émission Fafa, c'est comme ça. Alors, Excel, dis-moi, ça fait combien de temps que. Parce que j'ai l'impression que tu es vraiment basé en France maintenant, c'est ça, non? Et puis tu viens, tu fais tes va-et-vient et tout ça. Ça fait combien de temps que tu es. Ça fait 7 ans maintenant que je suis. 7 ans, oui. Depuis 2011, on va dire. 2011, 2012, ouais. Ah, d'accord. Ah, d'accord, bon. Tout à l'heure, tu parlais que tu as fait ton jossi, tout ça. Mais nous, on a appris que. On a appris que Excel allait en Gombo, en France. Et puis il a fui, il a calé là-bas. On dit avec ça, il a fui, il est resté en Bengue, il a travaillé, il a fait les dossiers, son visa est périmé, il est resté là-bas, il a fait les dossiers, ça. Et puis il dit ça va un peu. Moi, je suis allé en France, la première fois que je suis allé en France, j'avais un visa de 3 mois. Normal, comme un artiste. 3 mois, et après, j'ai un visa d'un an. Arrivé là-bas, donc j'ai toujours eu. Tu sais, les gens ils parlent tellement. Il y avait même des rumeurs, ils disent non, on a déchiré le passeport d'Excel. Oui, bien sûr. Donc, chacun parle, mais. Effectivement, on avait eu des soucis à ce niveau, mais ça a été réglé. Donc, quel genre de soucis? Faut expliquer. Quel genre de soucis? On dit que tu as fui, ils ont déchiré ton passeport. Non, il y a le sud de coupe. Tu as laissé ton passeport dans les mains. Non, jamais.
Au contraire, je pense que c'était plutôt. Ça, c'est des petits soucis. Mais jamais de soucis avec la police ou avec. D'accord, d'accord. C'est des soucis de famille. Rien à voir avec tout ça. Non, les gens parlent, parlent, parlent. Moi, j'ai jamais été rapatrié. Au contraire, je suis tout le temps en train de partir, je reviens. J'aime bien mon pays, j'aime mes bases. Bien sûr. Mais n'empêche que j'ai arrêté de travailler par rapport à la sortie de mon album. J'ai vu qu'il y avait une tournée qu'on avait mis en place. Donc, ce qui a fait que je suis beaucoup là. On a créé une entreprise aussi. Valange Recording qui produit aujourd'hui, qui fait des concerts et tout. Donc, on a mis la base ici. Donc, on est obligé d'être ici pour faire des trucs. Ce qui fait que je suis beaucoup là. Et les gens voient un peu dans le bleu gosse le travail que nous faisons. Donc, à ce niveau, on n'a pas de soucis. Donc, j'ai jamais de problème. Au contraire, ça a toujours été bien. Maintenant, concernant les gens qui m'aiment, c'est normal. Je ne suis pas forcément un vilain garçon. Mais n'empêche que mon cœur, il est très pris. Donc, il n'y a même pas de place pour une autre personne. D'accord. Bon, d'accord. Mesdames et messieurs, moi, je respecte la dulcinée de mon frère Excel. Je la respecte, je la salue. Mais il faut que. Elle n'a pas m'excuser, quoi. Mais je dois lui donner aussi un petit truc. Nous, on déteint les trucs. Ah, ça. Oui. T'as vu, tu as eu un truc à Sabine, tu l'as enceinte, tu as fait. Ah, ça. Ben, le trophée, hein. C'est pas vous, Sabine. Oui, non, mais où est-ce qui? Il est trop pris. C'est mariage. Mais toi tu rectifies après. Non, tu rectifies après. Non, voilà, je repose la question et toi tu rectifies. Non, c'est pas Maro Sabine, hein, c'est Maria. Les gens parlaient beaucoup plus par rapport à Maria Adé. Les gens disaient que tu as eu. Maro Sabine, c'est une grosse, une amie à moi, une bonne amie. Ah non, c'est Maria Adé. Il n'a jamais eu de problème. Ah non, tu as enseigné Maria Adé, tu as fui. Les gens disent que. Et ça, c'est bien qu'on parle à Fafa parce que c'est important. Dans le milieu chrétien, on disait que c'était. Et tu sais, quand on vient dessus, on a l'impression qu'on cherche un buzz, on veut parler. Moi, je m'en fous éperdument de ce que j'en pense. Je vis bien ma vie, ça va chez moi, je suis très pimpant, j'ai pas besoin de faire un buzz avec qui que ce soit, au contraire, je me sens même rabaissé à chaque fois de parler de ça. Donc comme les gens parlaient, les gens parlaient de lui, faut éclaircir les choses, je veux même pas qu'on dise ça. D'accord. Alors, parce qu'elle a sa vie sûrement, je sais pas qu'est-ce qui. Voilà, moi j'ai ma vie et les gens voient, donc les gens ont dit ça parce que ils croient qu'il y avait un enfant, une fois comme on était beaucoup amis, on se balade souvent avec un garçon, parce que je crois que ça me fait parents avaient un orphelinat à l'église. Donc, il y avait un enfant qui était donc il prenait les bébés, comment on dit ça? Souvent les bébés qu'on. Elle, comme elle aime les enfants, donc souvent, il lui arrivait de partir avec l'enfant. Donc, on était souvent ensemble, on nous voyait, on dit, oh! Donc, moi, j'ai été ami à beaucoup de chantes. Il y avait une chante avec qui j'étais ami et qui me voyait. Donc, les gens commençaient à raconter plein de trucs. Oh, il n'en était de rien et de rien. Et ça, Fafa était bon. Je vais pas salir l'image de cette dernière, qui est une chante qui est très respectée aussi. Et en aucun cas salir la tienne, parce que je tiens compte de mon image, mais c'était vraiment l'amitié, il n'y a jamais vraiment eu de trucs. Il n'y a rien eu. Voilà. Mais pourquoi c'est au moment où toi tu te promènes à la guerre, ouais, la bébé. Oui, mais c'est normal parce qu'à ce temps-là, Mousset, Excel, il y avait Excel, donc c'était les deux jeunes chantes. Parce qu'avant, il y avait les tontines, les tontons. Oui, bien sûr. Les chantes qu'on parlait, les deux jeunes chantes, c'était Mariadé, qu'on parlait de garçons, c'était Excel. C'est maintenant, il y a beaucoup de chants, donc je me dis, on n'était pas beaucoup. C'est normal qu'on en parle, et puis après, ça a créé des problèmes, la dissale. Souvent, même quand on fait les interviews, Excel, j'entends qu'on dise oui, telle personne a dit ça, pourquoi tu appelles Mariadé? Moi, je m'en fous éperdument du compte. Moi, je parle pas des gens parce que j'avance ma vie, mais je dis la vérité, c'est normal. Les gens posent des questions, il faut répondre. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas un buzz, quoi que ce soit. On est des hommes publics. Si tu veux pas qu'on te pose des questions, on ne soit pas un homme public. Si on entend des rumeurs sur un homme public, on lui pose la question, il est à même de répondre. Donc, encore une fois, comme on me laisse à cette histoire de mariage, je suis avec ma bien-aimée que j'aime, qui est très, 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 très belle. Moi-même, là, il y a bien. Donc, je ne veux pas arrêter de me fatiguer avec l'histoire. Là, je parle le temps de tout ça. Donc, voilà qui est clair. Hein, il n'a pas enceinté Mariadé, c'était pas sa go, c'était pas sa chérie. Parce que dans le milieu du gospel, avant d'enceinter une go, il faut la marier. Le gars n'a pas marié la fille, vous dites qu'il soit avec elle. Arrêtez. Non, mais les gens sont méchants. Arrêtez. Une relation, même des gens, je parle des relations. Mais je dis, quand c'est pas des rapports, quand c'est pas des trucs, il faut le dire clairement. C'est clair. Ça tenne une image. Si c'est vrai, on a affaire à faire. Effectivement, il y a eu un truc, tout ça. Mais peut-être aujourd'hui, ce n'est plus. Voilà, mais on le dit. Donc, que les gens arrêtent de faire ça, chacun a sa vie. Puis on avance. Voilà qui est clair, mesdames et messieurs. Vraiment, tu es critiqué, hein? Oui. On dit, mais Excel, même, c'est qu'elle chante, il frise cheveux. Pour moi, j'ai vu que c'est la vérité aussi, hein? Ouais, il fait curling, tout ça. Est-ce que tu es vilain? Mais les gens parlent trop sur toi. Attends,
mine de rien. Mais mine de rien. Mignon, ouais, mais non, tu es un million de garçons, on sait. On sait que tu es un million de garçons. Ouais. C'est Dieu qui t'a donné. Tu n'as pas volé. Mais oui. Tu as fait les deux, c'est joli avec toi. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc chacun dans son mouvement. Peut-être le matin, même peut-être faire d'autres dossiers. Ah, mais les gens veulent que tu sois tête rasée. Je ne suis pas l'artiste des chrétiens. Que les gens comprennent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on est. Je ne suis pas pour les chrétiens. Moi, je ne chante pas pour les chrétiens. Dans mes textes, on n'a qu'à écouter. Moi, je suis pas. C'est pour ça que je dis toujours, si les pasteurs pas m'inviter, je m'en fous. Je m'en fous. En fait, je même pas. Ils vont me donner 40. Ils vont me donner quoi? C'est des miettes. Mais pendant qu'ils vont dans les grosses voitures, ils appellent les plaisantes. Alors, on a 50 000. Oh, ça ne peut pas plus loin de quelqu'un. Donc, je m'en fous de leurs invitations. On m'invite partout. Mm-hmm. Où je veux aller, je vais. J'ai des tournées. J'ai des dates calées. Et mm-hmm. ils le savent. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas de problème. C'est eux qui vont m'inviter. On discute. On tombe d'accord. Et je dis encore. Mais en fait, bon, venez changer d'une église. Est-ce que tu as oublié de prendre l'argent? Ça fait mais justement, j'en viens. On t'a pas entendu. Mais justement, on te paye le carburant. Il faut venir. Non, le plus, je donne du carburant. C'est ça le problème. Non, j'explique. Si tu, moi mon staff peut témoigner, il y a les gens qui nous appellent, ils n'ont pas d'argent, on va chanter. Moi, je chante pas pour l'argent. Tu peux ne pas avoir de l'argent et les gens peuvent faire, mais ce qu'Excel fait, je vais chanter parce que les gens m'aiment. Mais quand je sais que tu en as et que tu veux m'inviter, peut-être en faire un concert où c'est payant et puis tu me dis, viens, des gens, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il faut être honnête en fait avec les gens. Sinon, tu peux ne pas avoir de l'argent. Moi, je suis contre, et je le dis clairement, ces chantes-là, ou ces artistes-là, que des pasteurs, que des gens invitent, et on dit, ah, j'ai 300 000. Frère, si le gars a vraiment 300 000, va chanter. Mais si tu refuses, parce que le gars n'a que 300 000, chez moi, tu n'es pas un chant. Va mettre en fait du feu, du feu, du feu, du coupé, du calé. Le chant n'est pas, ne va pas chanter en fonction de l'argent qu'on lui propose, non. Mm-hmm. Il va chanter en fonction du besoin. Ça, c'est moi, tu sais. Donc, les gens parlent trop. Si un pasteur m'appelle pour dire, je vois que le pasteur, il a une grande église, et je sais qu'il a de l'argent, par exemple, on les connaît, et qu'il veut du excès, c'est pour ça qu'il ne m'invite pas. Il ne faut jamais m'inviter. Parce que moi, j'ai un cachet. Quand je sais que tu as de l'argent, ben là, tu veux inviter excès par rapport à l'église. Mm-hmm. Voilà. Mais si je sais que tu n'as pas d'argent, moi, je me rappelle, les gens peuvent témoigner. Moi, je me rappelle de, quand le Seigneur descend cartonné à Abidjan, dans le milieu gospel, ma première sortie quand je suis arrivé à Abidjan, c'était. D'autres, mm-hmm. j'aime parce que tu es venu de Londres que j'ai rencontré à Londres que je salue au passage. Qui était venu qui a fait un concert qui a fait un programme. Il dit les gens voulaient. Je suis allé chanter. J'ai même ouf. J'ai donné des CD gratuits et les gens savent. Quand les gens n'ont pas, je dis aux gens si vous n'avez pas d'argent, appelez tel numéro. On va vous donner un CD gratuit parce que j'ai même honte quand je vais m'asseoir et puis je dis j'ai vraiment essayé. C'est 3000. Je m'en sais, c'est mm-hmm. sacrilège. Je chante quelque chose qui est censé être spirituel. Ouais, je dois édifier les gens. En fait. Voilà, non, c'est vrai qu'on a besoin d'argent pour l'œuvre et tout. Mais moi, du moment où des dévanciers ou des grands hommes de Dieu qui sont censés aider le gospel à se positionner ne le font pas, mais je ne suis pas prêt à les aider aussi. Donc ne m'invitez pas, mais je le dis, je m'en fous. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je vis de ma vie. Si je n'ai pas d'argent là, je vais prendre banane brisée, je vais manger la manière de ouais. Mais je ne peux pas vendre, je ne peux pas me garnir, je ne peux pas me rabaisser à ce point. Ça n'a rien à voir avec l'humilité ou l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est quand tu rabaisses quelqu'un pour que toi on te voit, c'est l'orgueil. Ouais. Mais la fierté, c'est être fier de ce que tu as. La Bible dit que si tu dis que tu n'as pas, je vais t'arracher même ce que tu as. Ça veut dire que même quand tu as l'impression que tu n'as pas, en fait, Dieu t'a donné quelque chose. C'est cette chose-là, tu dois précieusement la conserver. C'est ce que je fais. Moi, je ne suis pas un grand parleur, c'est pas où je parle comme ça, mais je suis un grand chanteur. Moi, je prends le micro, j'envoie. J'ai pas une belle voix, mais je m'appelle Excès. J'ai des gens que j'ai des messages que je véhicule, ça s'arrête là. Donc, ceux qui ont les belles voix, ceux qui sont les superstars, on les connaît. Ça, je bénis Dieu pour leur vie. Moi, je ne suis pas l'un d'eux. Je suis juste quelqu'un qui chante sa chanson et qui fait du bien au peuple de Dieu. Ça s'arrête là. Super. Mais tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'il y a des pasteurs qui sont nantis, qui ont l'argent et tout, et qui veulent pas. Parce que le milieu du gospel. Normalement, selon moi, normalement, ce milieu-là, même s'il si ne fait pas partie du monde, comme on le dit à l'église, il ne fait pas partie du monde, nous autres, là, notre monde, là, ce gospel-là n'en fait pas partie, mais ça devait être. Ça dit que ça devait. On devait être au courant de ça. Ça dit qu'il y a un concert, quand il y a un artiste gospel qui pèse, tout le monde devait savoir qu'il y a un artiste gospel. Ça veut dire que ce milieu-là devait être aussi fort que le milieu rap, que le milieu coupé des calais, que le milieu zouglou. Mais on constate que ce milieu-là, voilà, ça. Mais regarde un peu. C'est dû à quoi? Tout à l'heure, tu disais qu'il y a des pasteurs qui sont là qui peuvent aider le mouvement. On ne soutient pas le mouvement, je t'explique.
il y a eu un moment où, pour être franc avec toi, les premiers palais de la culture, c'est les champs qui l'ont rempli. On a vu l'ami David, Chekina. Bien sûr. Donc on sait comment ça se passe. Avant, tu peux faire un programme CMT, un chanteur gospel. Donc, on était là, c'est ça. Ça bougeait. Bien sûr. Moi-même, en tant que DJ, je jouais plein de sons. Moi, je jouais tes sons dans mes boîtes. Pardon. En boîte de nuit, dans les matous, je travaillais, tout ça. Moi, je jouais tes sons. Donc pourquoi lui, c'est descendu? Sans les sandines d'oubli et tout ça. Je pense que de un, c'est le fait qu'on ne se soutienne pas. On se jalouse. Et les nouveaux aussi qui sont sortis là, nous on est les anciens. Moi bientôt je suis dans, avec 15 ans, mais les nouveaux là, ils sont venus avec la foule. Eux ils sont là pour la concurrence. Oh, ils sont encore rien. C'est dit, excusez-moi, t'es peut-être un peu vexé, mais ils sont comme bébés, tu vois. Donc ils sont. On a l'impression qu'il faut respecter un peu ceux qui sont là. Et pendant que tu es en train de prendre tes cachets de 50 000, 75 000, nous, quand on est assis là, c'est 2 millions, c'est 11 000. Voilà. Donc je le dis comme ça parce que c'est vexant. Et ça, la cale est choquée en fait, les derniers. On a la télé. Qui soit choqué. Voilà. Je ne cherche pas de buzz. D'accord. Et moi-même. Tu as le buzz toi-même. Non, il se barre pas de. Non, j'aime ça, j'aime ça. Choqué parce qu'aujourd'hui, quand on ne choque pas quelqu'un, il ne se réveille pas. Nous, on nous a choqués pour s'est réveillé. Donc, je pense que il est grand temps que nos hommes de Dieu soutiennent les chants. Que les chants entre eux se soutiennent. Ils arrêtent de faire la concurrence. Quand on a réuni la première micro, quand on dit un conseil chrétien, il y a trois conseils qui s'alignent. On n'est pas unis. Il n'y a pas d'unité. Pourtant, les chrétiens, on sert Dieu. On est comme les. Mais donc, quel advent nous et puis les gars de Calais du Zulu, qui sont même en train de s'unir. Nous voulons encore la concertation, on ne sait pas, c'est Dieu, voilà, la fois des bozos, qui sont unis. Pendant que nous, dans la menu, ça se suit. Et lui, là, il a ce tambo. C'est comme ça aussi. Et le conseil, est-ce qu'il a rempli le conseil? On a fait un fiasco. Moi, j'ai reçu des messages pendant que j'organisais le conseil par les chrétiens, je le dis, c'est pour ça que je parle comme ça. Et il met sur son mur, un petit, c'est-à-dire que c'est un petit même, je tais son nom même, père. Je vais parler de lui, c'est comme si je chante. Régner même la foi que j'ai en Dieu. Ce petit là que j'ai formé qui m'a quitté un mois comme ça, j'ai commencé à faire les cœurs. Bon, dit que je joue un peu, il fait les cœurs un peu à des artistes, on lui donne des miettes parce qu'il est arrivé. Le gars en question, il met sa page Facebook pendant que je fais mon conseil, il dit toi tu es en France depuis longtemps, tu viens couler, tu fais conseil à Arnaud Mambo, tu te prends pour Don Moine qui était une star du gospel américain. Il met sa page, puis les gens commentent. Et les gens savent déjà de qui ils parlent. En fait. Puis en ce temps-là, c'est le seul conseil chrétien qu'il y avait au Père de la Petite Excel. C'est choqué. Il y a un peu plus. Il y a un peu d'aller faire le bout. Même on peut aller faire le bout. Moi, je peux pas le bout faire le buzz. Mais je fêtais 10 ans de carrière. Je fais quand même pas des conneries. Okay, quand même, j'ai des tournants à mon actif. Je suis quand même, j'ai des prix. Je suis Excel quand même. Quand on parle de mecs qui étaient un peu chic. C'est pas le tabac. Non, mais il y a même 10 ans de carrière. Il y a un background. Donc, je prends la mise en place. Tu as quand même des gens qui te suivent, ça fait des années. La mise en place sera petite. Même si la canne passe, je n'arrive pas à craquer. Mais c'est que la mise en place, c'est petit. Il y a pas une personne, la mise en place. Ouais, vraiment. Moi, je vais prendre une salle plus grande. Qu'est-ce que j'ai fait? Les gens sont venus, les images sont là, ça parle. C'est une voilà, c'est la voix de l'ange. Et encore, j'ai vu tous les chants venir chanter. Et tous étaient là, ils ont fait malin. Mais il n'y a aucun mec qui a mis sa page. Il y a quelques-uns que je salue au passage, je me dis le nom. Mais il y a plein qui sont venus faire le show. Mais qui n'ont même pas dit, ah, excellent, on te connaît avec celle-ci. C'est comme si ça les démange. Donc ceux-là, je m'en fous, et pas du monde aussi. J'ai un prochain conseil, je ne vais pas les éviter. J'ai mis inviter mes amis, que j'avais pas mais eux, je ne vais pas les éviter. Donc c'est ça qui conspire déjà. Non, parce que c'est eux qu'on voit, on est concurrents, quand on se voit, on est là, on se salue. Mais c'est quoi ça? Donc moi, ils ne me saluent pas. Mais d'abord, on a pas la même carrière, il faut se regarder. De on a César ce qu'il y a à César. Tu es sorti hier, tu tournes un peu dans les églises, c'est une bonne chose. On bénit Dieu pour toi, mais il faut respecter tes doigts. C'est important. Et nous, pas forcément comme toi, mais pas ta musique. Il faut respecter les doigts, Nous-mêmes, dans notre milieu, moi, je respecte les artistes, que tous les artistes. Quand je vois des grands frères, je les salue. Quand je vois, toi, tu es dangereux, on voit l'équipe passer, et t'es véritable. Ah, le dernier, son bruit, j'ai pas de bien sûr. C'est que c'est, oh, on va prier ta peau. Frère, Jésus, il y a là, arrêtons de mystifier notre Dieu pendant que notre Dieu est un Dieu qui est venu aider. Il est simple. Il n'est pas venu. Il n'est pas compliqué. Donc, si on veut se référer à la Bible, frère, tout ce qu'on vient de faire là, c'est n'importe quoi. Si on veut se référer vraiment à la Bible que nous prions, mais comment tu fais la plainte? Mais Jésus était déjà un. Donc, un pasteur n'a pas te toucher, j'ai un problème. Tu n'es pas un pasteur. C'est vrai. Un pasteur, dimanche, ton église a faim. Toi, tu as tenu penser comment tu as payé la dose, la dernière dose de Gabana. Tu as un problème. Parce que tu dois penser à quoi aider. Donc, il y a des gens qui disent, moi je connais quelqu'un qui pleure, qui souffre, qui nous écrit tout, plus le problème. Il était à quel église, le pasteur a fait ça, il a fait ceci. Donc, on entend ça chaque jour. Et c'est eux qui sont critiqués, les gens. Oh, laissez-lui là. Laissez-lui là.
ben on s'en fout. Je dis, mmh. fais ton église, c'est toi puis Dieu. Bien sûr. Mais nous aussi, on fait notre musique. Tu nous respectes. Vraiment, respectes vraiment, c'est important. Voilà. Excel, je suis content parce que voilà quelqu'un qui marche avec Dieu, mais qui dit les choses okay. comme il faut les dire. C'est important. On dit, Ramzi, tu aimes tirer bouche des gens, tout ça, mais moi, j'aime que les gens disent ce qu'il y a à dire. C'est important. Parce que, c'est, bon, tu sais, moi, un jour, je suis allé dans l'église, je vais rencontrer le pasteur. Mais c'est pas petit protocole, hein. Si à moi, je me suis retourné. Le temps qu'ils vont venir me chercher, ah monsieur, moi j'ai déjà parti. Je vais te parler, toi, le pasteur directement. On dit non, il faut voir maman responsable. Non, il faut voir. Et... Non, il faut voir tant. Il dit, mais à champion. Faut arrêter. Mais elle est pas. Pas... C'est même qui gouverne le pays, elle croise facilement. Ah, faut arrêter. On dit, Jésus, mais il est 12 disciples. Les gens, ils ont 50. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, les disciples de Jésus, même, quand quelqu'un veut voir Jésus là, quand il veut parler, Jésus dit non, laissez-le. N'a qu'à venir. Mais vous ne pouvez même pas vous croiser. Il a arrêté ici, le bout de sa chaussure arrive vers la porte là-bas. Arrêtez, on a vu les hommes de Dieu. Arrêtez. Excusez-moi de vous parler de vous, je vous respecte. Laissez-moi vous dire ce que je pense. Qui commençait le ministère, nous a invités ici. Les gars, venez chanter, pardonnez. On va te chanter gratuitement. Oui. On a fait notre conscience, on va aller chanter, parler, passer là-dedans dans les églises. Non, on n'était pas informé, il fallait passer par le diable. Mais je dis, il n'y a pas d'unité. Donc moi, je dis, ok, comme c'est comme ça, pas de problème. Mais je salue tous ces hommes de Dieu là. Qu'il y a les hommes qui sont bons, vraiment qui sont là, qui nous aident, qui sont avec nous, qui sont ça, ils sont là. Franchement, les gens, je ne veux pas mêler tout le monde. Hein. Je ne vais pas forcément dire non, tout sûr, le monde ici. Bien sûr. Mais je sais ces hommes de Dieu là qui soutiennent, ces chants frères à nous, qui soutiennent. Mais ceux dont je parle, eux, il faut vraiment qu'ils se réalisent. Parce que je ne pense pas que si Jésus revient bientôt là. C'est à cause de depuis que Jésus vient. Par exemple, depuis déjà venu. Ah bon? Mais je lui ai dit, laisse le temps aux gens. Il est parti. Mais au moins, il vient depuis là. Au moins, pour que les gens puissent se laisser. Non. Essayez-vous. J'ai mal quand je parle de ça. Et on peut tellement pas tout dire ici. Mais on va tout dire, franchement. Le sens, c'est qu'on doit respecter Dieu. On doit faire les choses bien. On doit traiter durement notre corps pour ne pas que ce qu'on chante ou ce qu'on prêche, les gens ne soient même rejetés parce qu'on chante. Parce qu'on a vu des gens qui font des médicaments aujourd'hui, qui font des envoûtements, qui vont prendre les puissances pas partout, pour venir faire tomber les gens, tout ça. Les gens tombent demain, ils se relèvent, leur vie ne change pas, ça va pas. C'est vrai. Au lieu qu'est-ce qu'on va enseigner dans la chrétienté, c'est comment les vies des gens vont changer. Et aussi, arrêtons de dire aux gens, venez à dire à Jésus, quand tu vas venir, il y a le mariage, quand tu vas venir, il y a le voyage. Bon, il dit pour voyager, va prendre un visa, mon frère. Il dit, arrêtons. Les gens sont dit, les bonnes beaucoup. Oui. Nous, on l'appelle, comme ça, il va répondre à qui d'abord de ses qui. Donc, il y a des choses, bon, pour prendre un visa, frère, monte un dossier. Oui. Tu es une femme, tu veux te marier, il faut bien te comporter. Sois jolie. Oui, sois bien. Belle. Oui. Quand bien chic, bien dit. Quand Marcos parle, on dit non, il est un peu choquant. Mais souvent, il dit la vérité. Oui. Les manières sont peut-être à lui, appropriées, mais souvent, il dit la vérité. Oui. Moi, je suis une femme qui veut te marier, puis elle est peut-être là, bon, même pas de femme, pas. Mm-hmm. Bon, l'esprit dégage, ouais, c'est bizarre. Même si le gars, il ne t'aime pas. Ça me dit, ouais. Mais tu vois, tu peux saigner le mari, t'inspires comme ça. Sueur, tout ça, ça me dit. L'homme du mari, même fille, il n'a même pas d'accord. Il dit, non, ça va. Ça va m'appeler, je m'ai retrouvé. Arrêtez. Non, mais ça, oui, le frère qui s'est marié, mais aussi, papa, des frères qui sont à l'église, qui on voit des frères qui sont vieux, qui ont vécu, qui ont l'âge, et qui sont un peu pas forcément bien des gens. Mais quand les pasteurs les voient, ils n'ont pas besoin de venir demander, ils peuvent aller vers ces frères-là pour les aider. Chez moi, c'est ça l'évangile. C'est ça. Mais on laisse ces frères-là aujourd'hui, et on a besoin. Et je vais même encore terminer par un truc qui m'a choqué, je le dis encore. Bon, souvent, les pasteurs qui sont là, ils ont toute une équipe, les filles de service d'or, qui sont là, ben, ils travaillent 24 heures sur 24 à l'église. Ils n'ont pas de vie que ça. Bon, et à l'église, tu peux venir sur lui, frère, je te vois en train de voyager. Le gars, il est rangé, il est content. Mais frère, il va falloir commencer, il est tout le temps entre tes quatre pattes. Bon, quand tu dis qu'il doit voyager, là, et puis il est tout le temps chez toi, là, qui doit le faire voyager? C'est toi qui dois aller voyager. Qui va aller voyager? C'est plutôt le travail. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on distrait le peuple autour. Frère, tu vas te marier, mais la soeur, tu te vois en train de faire le commerce. Mais si la soeur, elle est là, Mélanie m'a dit, on a travaillé dans le temps. Mais le commerce, c'est là. Le commerce, là, c'est l'argent qui fait mais commerce. Même le commerce, quand elle vient à l'église, dis-moi, même elle va sortir, on dit, c'est 1000 francs, les passants, même son cœur est mort. Je dis, il y a l'offrande qui va descendre. Donc, sur le moment, on vient, elle nos CD, mais on dit, on veut. Quand le passant que tu viens, ton CD, il a peur. Mais j'ai bien parlé de CD, on parle de la quête. Et puis, c'est aujourd'hui, il faut qu'on trouve un compromis entre les hommes de Dieu. Parce que vous avez besoin de chanter. Et nous, ce sont les serviteurs de Dieu aussi. Parce que nous promons quand même. Et puis nous, on va loin. Mais nous, le chanson, ça va loin. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense qu'il faut aider vraiment les chanteurs. Moi, je crois les hommes de Dieu à aider les chanteurs. Ce que je dis aujourd'hui, ça peut choquer les pasteurs. Si pour ça, je serais rejeté, si pour ça, ils ne vont plus m'inviter, Dieu merci, je mange, je bois, je dors. Franchement,
ça m'intéresse pas. Et quand je vois les gens, c'est ça, nous aussi les chambres, c'est pour nos soeurs. Mais quand tu as à la télé, là, tu dis, si vous voulez pas, mais les gens, que tu n'expliques même pas dans quel esprit tu as fait ton album. Là, tu commences à dire, si vous avez des mariages, anniversaires, baptême, appelez-moi. Non, mais je, ça dit que je comprends pas. Mais non, ta mère te dit quoi? Ton ministre, c'est que pas jeûner les mariages, mais non, faut pas jeûner Dieu autant. Allez, prends les trucs, tu appelles sur 1000 kilos, tu fais bien un son. Mm-hmm. Et puis tu dis, mais tu as un message. Tu veux une nouvelle danse, le katakata, tu danses ça tranquille. Ah, t'as là, après le cavablé qui coupe ta gueule. Mesdames et messieurs, on est toujours avec Excel, l'émission Fafa. Vraiment. Excel, dis-moi, le concert dont il s'agit, hein, le concert, il est prévu pour quand? Ouais, le concert, c'est pour le 16 septembre, c'est un dimanche. Voilà. C'est un dimanche, voilà. J'ai appris aussi même que avant, une semaine avant, il y a un grand concert aussi chrétien déjà. Ah bon? Voilà. Il y a des collègues aussi qui vont. Tu seras là-bas? Voilà. Non, je ne serai pas là-bas. Pourquoi? Non, je m'en conseille le 16. Voilà. Moi j'ai un conseil. Si vous avez un frère, il fait un conseil, vous l'approchez, les gars, on peut le faire ensemble même. Ah, Excel a un conseil, Excel vient comme il y a un conseil chrétien. Bon, on va le faire ensemble, mais n'attends pas que je lance le ticket demain et après que tu as conseillé une semaine avant moi. Même chose quand il a fait le conseil pour la culture. Pendant qu'il a essayé de te conseiller, parce qu'il y avait un conseil. Donc, lui, les chrétiens, on a quand même se mentir à nous-mêmes, mais ce n'est pas le Dieu en train de faire. Donc, moi, je suis ouvert à l'unité. Mm-hmm. Là, comme j'ai dit tantôt, quand j'ai fait mon conseil, tout le monde est venu. J'ai invité tout le monde. Mais dis-le cette fois-ci, là, il y a la. Non, je n'invite pas tout le monde. Voilà, j'invite mes amis, parce que ceux qui ont un message, parce que c'est à la BAE. Voilà, c'est mon message, le thème, c'est mon message à la jeunesse. À la jeunesse, d'accord. J'ai pas dit la jeunesse chrétienne. À la jeunesse. Donc, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois, je sais pas quoi. Viens, il y a un message de paix, un message de... Parce que la paix au Côte d'Ivoire commence par les jeunes. Et comme on a dit que Yopougon était la ville où il y a eu des trucs, moi je veux aller à Yopougon, marquer Yopougon pour dire qu'il y a un message sur le paradis, il y a un message sur le fait qu'on doit bien se comporter, il y a un message que le groupe jeune, le gouvernement aurait dû continuer les jeunes. Mais c'est les jeunes qu'on prend, on dit pour aller faire des trucs et qu'on sort. Donc si les jeunes sont dans un bon esprit, ça peut aider. Et je tiens toujours à dire que on parle, mais la Bible nous dit, la Bible nous donne le secret. C'est l'amour. Comment l'honorer. Si on s'aime, on n'a pas le temps de se faire du mal. Franchement. Donc, l'amour, c'est la solution à tout. Hein. On aime, j'en ai fait l'amour, je serai. Je t'ai dit de l'amour. Mais au fond de nous, est-ce qu'on l'aime? Et ça, j'ai mal dans la chrétienté, il n'y a pas ça. Mais chez moi, si on s'aime là, je ne comprends pas, c'est vrai. Oui, franchement. Donc, le conseil, c'est spécialement pour. C'est pas un conseil pour les chrétiens. Je le dis, si vous voulez payer un ticket, ça va rien. Si il y a deux personnes, on va faire le conseil. Voilà. Mais je veux dire que faut pas qu'on se lève en disant non, oui, les gars, ils auraient un miracle. Oui, mais j'ai dit, oh, genre, je vais les choquer encore deux fois. Les hommes de Dieu qui sont trop miraculeux là, j'ai un souci avec eux. Mais quand tu as un don de miracle, que tu fais des affiches, veille des miracles, mes frères, viens me demander, je te dis, on fait les miracles. Je suis le crocodile là. Et les gens ont pu être tordus comme ça. Tu as un don, va là-bas. Tu pries, on dit. Mais l'affiche même pour dire que tu vas te payer. Oh, là-bas, tu n'as même pas payé. Et tu t'assois, tu fais le test de tu vas chez les diabétiques. Tu vas guérir tout cela. Donc, arrêtons. Ça, moi, ça me touche particulièrement. Arrêtons. Parce que c'est la vérité. Arrêtons. C'est la vérité. C'est que, prêchons Dieu simplement. Et c'est Dieu qui guérit, c'est pas nous. On a l'impression que c'est nous qui sommes devant. Non. Arrêtons. Faisons les choses normalement, puis Dieu va agir. Je ne dis pas que je suis parfait, je précise. Mais c'est ce que je pense que je dis aujourd'hui. Parce que moi, j'ai mal quand je vais sur Facebook. Je vois les hommes de Dieu habillés, ils sont là. Mais non, vous n'êtes pas des artistes. Nous, nous sommes des artistes. Ils placardent des affiches. Non, nous, vous devez prier, puis c'est sa photo qui est comme ça. Où est prier sa femme? Frère, j'ai dit, veille de 23 événements miracles. Frère, pour faire un miracle là, il y a le chien de 13 juillet qui est là. Tu n'as même pas payé. Ouais. Tu rentres, tu dis, j'ai un don. Et puis si tu l'as fait même là, ça va prendre toute la ville. On va dire, ah, il y a un pasteur qui est passé. J'allais en venir, tu vois. Ça, c'est publicité. Tu as gagné au moins 10. C'est ce que je faisais. On dit, il y a un pasteur qu'on y va. Ouais, c'est vrai. Donc, quel est réellement le miracle que nous faisons aujourd'hui? Parce qu'on se laisse aller devant. Oh, Dieu est derrière. Non, c'est Dieu qui doit être devant. Ouais. Parce que Dieu n'a plus sa place. Donc, Dieu ne peut plus agir. Les gens viennent de mentir, de voler, de faire bien n'importe quoi. C'est pour ça que moi, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Dès le départ, on chantait, on est venu à Dieu là. On était là. Et moi, j'ai même composé une chanson où je demande pardon à Dieu, où je dis, je ne savais pas, j'étais encore jeune, je ne savais pas que, en fait, le don que tu m'as donné, c'était pour guérir des gens. J'ai fait une chanson pour ça qui va sortir bientôt. Je dis, non, le don que j'ai, c'est pour guérir des, pas pour guérir des chrétiens. En fait, c'est pour guérir des gens, pour guérir des musulmans, pour guérir des gens qui ne croient même pas en toi. Et ces personnes-là, quand ils seront guéris, ils vont dire, mais Excel, t'as juste à me faire du bien, mais comment ça fait? Pourquoi il vient vers moi? Je n'ai pas besoin d'aller sur Facebook, c'est Jésus, non. Qui m'appelle en apathie, là, il est pas encore dit, frère.
c'est Jésus. J'ai pas besoin de monter sur Facebook. On fait, venez au conseil d'Excel, à la stade BAE. Il y aura des miracles, il y aura des guérisons. Dieu t'a dit ça. Vous me donnez une communion. Non, c'est lui qui agit. Fait. Viens au stade de la BAE. J'aime, si tu aimes les chansons d'Excel, ça t'a fait du bien, gloire à Dieu. J'ai un concert où on va être ensemble, comme tu dis, la femme, et puis on se parle. Si dans ça, tu as un besoin, je vais prier. Le Dieu que je prie, qui a changé ma vie, va le faire aussi pour toi. C'est pas moi, mais moi je suis rien. Moi je veux qu'on véhicule un message comme ça, je pense. Arrêtons de blaguer, de distraire le peuple de Dieu. Et puis les gens commencent à se foutre des chrétiens, à rigoler des chrétiens, parce qu'on passe un temps à rentrer de n'importe quoi pour que les gens puissent nous donner de l'argent. C'est ça la vie que tu as aujourd'hui. T'as pas besoin de te dans quelle église. Dans les églises, t'as pas besoin, tu vas pas là-bas. Il y a des pasteurs, tu les invites dans les églises, là-bas, à côté, là-bas, parce qu'ils vont pas, ils sont des bishops. Donc c'est ce que Dieu t'a dit. Jésus partait partout. Donc toi tu es bûcheur, tu n'as que 1000 personnes, tu n'as mis personne, tu n'as de prier à l'école, tu n'as pas parti. Parce que par là-bas tu as commencé. Donc ça aussi, il faut qu'on revoie tout ça. Donc choquons-les. Excusez-moi encore devant Non, tu fais bien, tu fais bien même. Non mais fais bien. Vraiment, si vous êtes choqué, non, je leur demande pardon. S'ils sont choqués de ma part, mais je vais les choquer. C'est-à-dire qu'ils ne regardent même pas. C'est ça le problème aussi. Voilà, il faut dire la vérité. C'est important, c'est important. Il faudrait que les choses changent. Donc, bon, moi, je voulais te demander qu'est-ce qu'il y aura au concert. Tu as déjà tout dit. Non, voilà, tu as déjà expliqué. C'est Excel, simplement. J'invite tous ceux qui aiment Excel. Parce que je n'ai jamais vraiment fait de concert grand public avec moi. Je joue dans les petites églises. Mais là, comme les gens disent non, Excel, il a fait. Bon, on va faire un concert grand public. Et là, l'entrée, c'est à 1000 francs. 2000. Tu nous fais en 2000. Oui, en plus. Ah bon? Ouais, c'est pas 5000, 10 000. Hein? Non, non, c'est parce qu'on s'est dit que c'est un vrai grand public, on attend du monde. Et très souvent, c'est 1000 francs, 2000, c'est un concert. Rien va gagner de l'argent, mais c'est comme la place. C'est ça, ouais, ouais. Mais c'est vraiment pour les charges et tout. On veut que les gens viennent communier avec leur artiste qu'ils aiment pour dire que ça n'est pas forcément, il va golf club, pas aller à congrès. Non, non, non. On veut faire des concerts aussi au grand public où on a besoin que tout le monde soit là. C'est pour ça qu'on dit 1000 francs, 2000. Pour dire que 2000, ceux qui sont assis devant. Chez nous, il n'y a pas de VIP. Mais quand tu peux 10 minutes, tu n'es pas un VIP. VIP, c'est au moins 20 minutes, 30 minutes. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a des pasteurs que tu as invités qui vont venir prier ou bien. Bon, c'est vrai que c'est un concert pour chanter. Bon, non, il y aura des pasteurs, forcément, des pasteurs amis à nous, des pasteurs qui soutiennent. Il y a des pasteurs qui soutiennent le mouvement. Ça, il faut que je dise la vérité. Les pasteurs qui, quand on va vers eux, ils nous soutiennent. Je veux faire des coups croisés parce que sans forcément dire leur nom pour ne pas que je sois frustré. Mais les pasteurs qu'on va inviter, qui se connaissent, qui soutiennent le mouvement, qui seront là. Il y a des chants aussi que j'ai invités. Voilà, après, il y a le groupe Shekinah qui sera là en live. Il y a Pasteur Guy, il y a qui encore, il y a Boniface, qui encore, Landry Fouabi, vraiment des amis à nous qui viendront vraiment faire la fête avec nous pour que le Seigneur puisse vraiment manifester sa grâce et qu'on puisse ensemble prôner le message de paix, le message de joie, le message d'amour. Voilà. Super, super, super. Alors, Axel, tu manques. T'as dit que tu es trop fort. Il a emballé mes questions. Il a emballé les trucs parce que je vais là pour t'emballer. Tu m'as pris d'une manière, là, tu m'as offert la sucrerie, ensemble, les blagues. C'est que le gars, il est fort. Si le temps dit qu'il allait là, il a fini, il allait pas la cour. On sait jamais. Alors, Axel, l'émission tire à sa fin. Voilà, moi, je te donne le micro pour que tu dises ton mot de fin. Et puis, Je veux dire merci à toute la direction de Vivant Music TV qui aujourd'hui est une chaîne qui est venue sauver un peu le gospel parce que c'est une chaîne aujourd'hui qui n'est pas parce que même quand on voit dans c'est une chaîne qui ne dit pas non parce que s'il y a le dit qui passe dans les chrétiens passent pas les millions parce que tout le monde passe et moi je prie que le Seigneur puisse bénir cette chaîne. Amen. Que tous ceux qui vont se lever contre cette chaîne sûrement soient vaincus comme Dieu nous Jésus. Merci encore à tous les directeurs, à toute la direction qui vraiment nous soutient vraiment dans ce conseil gospel. Voilà, et merci aussi à toi les deux que vous voyez toujours à la télé. Aujourd'hui, te voir vraiment. Merci vraiment, c'était cool. Je suis content et vraiment, j'aimerais. C'est vrai qu'on a beaucoup rigolé, mais dans le fond, le message que je vais écrire, c'est juste de faire l'œuvre simplement de Dieu, de rendre ce Dieu simple qu'il est, comme il est, d'arrêter de le mystifier. Mystifier, ouais, les gens ont besoin aujourd'hui. Il faut éviter de mettre des barrières, quoi, des garde-fous. Dieu, des... comme
comme celui qui est là. Voilà, Dieu, c'est le Seigneur, nous a aimés. Il nous demande juste de changer notre façon de vivre et de vivre bien. Il est avec nous. Voilà, moi, je pense que c'est ça. Donc, j'invite tout le monde encore une fois au concert du 16 septembre à la BAE. Et j'espère vraiment. C'est à quelle heure ? À partir de 15h. À partir de 15h. Il y a beaucoup d'artistes invités. Mm-hmm. Et vraiment, on va faire la fête au monde. Que le Seigneur puisse descendre sur la vie de nous et que la gloire puisse nous ensevelir. Amen. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Yeah. Excel, l'artiste Excel, oui, artiste gospel. Je précise. Voilà, artiste gospel, il sera en concert live au stade de la BAE. Entrée 1000 francs, 2000. Là, il n'y a pas à faire de dire non, je n'ai pas l'argent. C'est 1000 francs, c'est 2000. Ça, là, tout le monde peut gagner ça. 1000 francs, 2000. Venez, le Seigneur va vous édifier et tout. Moi-même, j'y serai. Amen. Voilà, j'y serai, je vais venir. T'es passé, ce gars, quand il chante, ça me fatigue. Ça me fatigue. Amen. Ça me fatigue. Ouais. Donc, voilà, c'est Excel. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. C'est l'émission Fafa avec le Dainré. Mais avant ça, je vais entendre un peu. Faut faire un peu un petit truc. Tu vas me laisser comme ça? Fais un petit truc. Mais j'ai pas ma guitare sur moi. Elle frappe un truc. Non, fais la capella. Il y a feuille. Ça roule. Faut bien le filmer. Faut zoomer. Hein, j'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or, tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. C'est rentré, bye. Mesdames et messieurs, on était avec Excel, l'émission Fafa. Yeah. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même antenne, Ivoire TV Musique, canal 209, c'est le Dairé. Toujours. Parab, on est ensemble. Ciao.